C'est des raisons très simples, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque je suis là pour devoir. Pour devoir, nous avons une équipe donc, qui œuvre dans l'élite du basket au niveau national, qui vit présentement des difficultés. Et naturellement, donc, cette équipe a fait appel à tous les fils de Saint-Louis, appel donc, auquel donc, j'ai répondu. Hein, et on va essayer donc, à travers donc, ce premier geste donc, de continuer à aider cette équipe, à l'accompagner donc, dans ce qu'elle fait, en tout cas pour le bonheur des Saint-Louis. J'ai essayé donc, d'aider par rapport à ma possibilité. Donc, j'avoue que très certainement c'est un premier geste, mais nous allons essayer ensemble de développer des mécanismes pour que en fait, cette terre-là puisse être donc, inscrite autrement. En réalité, puisque c'est une grande équipe, hein, une équipe qui vise donc un championnat national, les titres, c'est une équipe qui demande effectivement énormément de moyens. Et ces moyens-là, ce n'est pas des personnes comme nous qui pourront peut-être les assurer, mais ce sera dans le cadre des mécanismes avec peut-être un partenariat avec des entreprises, etc. Nous serons leur porte-étendard pour leur trouver effectivement des débouchés, en tout cas des opportunités dans ce sens-là. Terrain quasiment. Il y a une petite amélioration, mais c'est rien du tout. Alors, Saint-Louis quand même doit bénéficier d'une infrastructure, en tout cas pour le basket, de dimension internationale. Moi, j'ai demandé effectivement à ce que les responsables du basket mettent en place, ou en tout cas élaborent un projet dans ce sens-là. Et moi, je me porte quand même, enfin, je serai le porte-étendard de Saint-Louis. Nous allons essayer de défendre auprès des autorités pour que Saint-Louis puisse avoir en réalité un stadium donc pour le basket, un stadium digne de dimension internationale.